Bonjour et bienvenue à cette playlist sur mes rituels de purification. Régulièrement, je viens à cette fabuleuse mer du Nord où je viens profiter d'un moment pour moi pour me purifier, me déconnecter, nettoyer mon corps physique, nettoyer mon corps énergétique. Je vais vous parler de tout ça. Et là, je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous? Il est important, en effet, pour cette entrée en 5D, de pouvoir éliminer et vraiment de se libérer au maximum. Quelques petites précautions. Tout d'abord, ce sont des petits exercices qui vous prennent une, voire 30 secondes. Ah, plus d'excuses pour dire j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. Non, non, non. Deuxième chose, apprenez à faire ces petits rituels, que cela devienne comme votre rituel de nettoyage le matin ou le soir. Vous l'avez régulièrement, vous prenez soin de vous physiquement, et bien ce petit rituel de purification est le prolongement. Il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller dormir avec des mains sales. Et pourtant, vous allez peut-être dormir avec un corps énergétique pollué. Je vous apprendrai tout ça. Alors, petite chose importante, je vous ai dit, pas plus d'une minute. Mais la seule condition pour que cela fonctionne, ce sera d'être en présence, en pleine conscience, c'est-à-dire pas faire votre truc en regardant, je ne sais pas moi, les feux de l'amour ou un autre jeu télévisé, ou oh, qu'est-ce qui se passe? Kevin vient d'épouser Brandon. Oh, ok. Non, on est en présence. On est à l'intérieur de soi. 30 secondes par jour, une minute par jour, être en présence, je pense que c'est donné à tout le monde. Pourquoi être aussi bien en présence? Eh bien, parce que c'est là que le danger peut se trouver. Quand vous utilisez des outils énergétiques, si vous n'êtes pas en présence, et donc c'est ce que j'explique souvent à mes élèves, en Reiki par exemple, lorsque vous vous connectez à un canal, lorsque vous appelez la flamme violette, lorsque vous faites blablabla, c'est comme si vous étiez dans un ascenseur. Vous rentrez dans un ascenseur et vous n'attendez pas que ça se passe. Peut-être monter, peut-être descendre, je ne sais pas. Non, non! Vous rentrez dans l'ascenseur et vous appuyez sur le bouton là où vous voulez aller. Huitième, quinzième, centième. Quelle dimension là-bas! Waouh! Parce que lorsque vous ne coupez pas vos outils énergétiques ou lorsque vous les utilisez en faisant autre chose en même temps, eh bien, c'est comme si vous étiez dans cet ascenseur. Et vous pouvez monter, aller chercher l'énergie Reiki ou une autre énergie qui est plus basse, qui se fait appeler Reiki aussi, hein, utilisée par beaucoup, mais qui n'est pas vraiment ça, qui est très polluée. Et puis, on peut aussi être appelé à descendre et aller dans les basses énergies, et c'est là où on se chope des crassouilles que vous n'avez pas du tout envie de voir. Non, 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 non. Bien. Alors, je rentre dans l'ascenseur, j'appuie sur le bouton, je sais où je vais. Ça me prend une, 2 minutes par jour, divisé, et tout va bien. Je remercie toujours et je referme les outils avec respect et gratitude. Je trouve que beaucoup d'apprentis sorciers, beaucoup de personnes utilisent des techniques sans avoir le respect et le côté sacré de ces techniques. Et c'est ça aussi qui est en train de polluer les outils et de faire que certains outils, comme le canal Reiki, a été pollué tout un temps. Et donc, on a dû travailler sur le canal Reiki. Alors, certaines personnes sont toujours branchées sur l'autre et d'autres sont branchées sur ce canal Reiki qui est authentique, vérifié. Et donc, c'est important d'être dans le respect lorsque vous utilisez des techniques énergétiques, qu'elles soient transmises ancestralement ou que simplement comme le sel, vous allez dire, ah oui, ben ça n'a pas de respect. Si, ayez le respect de tout. Le respect de vous, le respect des autres, le respect de chaque règne et le respect de chaque dimension.
Bien, alors je vais vous laisser découvrir tous ces petits outils bien fabuleux en vous souhaitant de vous amuser surtout et que ce soit fait dans la légèreté, avec présence, conscience et rappelez-vous toujours bien ancré. Merci, vous avez aimé, merci de liker la vidéo, merci de partager. C'est toujours un bel échange énergétique, vous avez pris, vous avez reçu. Alors merci de rendre simplement avec ces deux petits gestes. Like, je partage, je mets un petit commentaire. Merci, à tout bientôt.